Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Clairefontaine. On reste en Normandie ce lundi 14 août, mais ce sera du côté de Clairefontaine avec les galopeurs. La semaine dernière, c'était les sauteurs. Cette semaine, une réunion qui est dédiée aux galopeurs avec un Quintet Plus qui se situe dans la 8e et dernière course du programme. D'ores et déjà, vous pouvez voir qu'il y a un nom partant. Ils ne seront donc pas 16 au départ, ils ne seront que 15. Le 11, Chiergi, qui a décliné la lutte, c'est un handicap pour des 3 ans, des poulains et des pouliches qui vont en découdre sur 2400 mètres, parcours classique entre guillemets puisque c'est une distance qui est classique, en tout cas une course qui est très ouverte, pas mal de possibilités avec des nouveaux venus, d'autres qui montent de catégorie, donc c'est intéressant mais pas facile à déchiffrer. On va essayer d'y voir plus clair. En tout cas, une course qui est prévue à 18h comme d'habitude. En tête de ma sélection, j'ai tout simplement retenu le numéro 2, Seabreaker. Troisième de la course référence, elle avait été battue par Chiergi, j'avais retenu Chiergi très très haut dans ma sélection au début, mais voilà, il est non partant, du coup Seabreaker, ça lui laisse un petit peu le champ libre. C'est une pouliche qui à mon sens est capable de remporter une telle course. Elle a débuté cinquième dans cette catégorie après avoir remporté son maiden, derrière troisième du côté de Vichy, c'était le 13 juillet je crois, le 19 juillet pardon, le prix Impératrice Eugénie, du coup voilà, associé encore à Tony Picon qui s'entend bien avec elle. Vu la qualité de l'opposition et difficile de la situer, je pense qu'elle a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Ça va être une question de parcours. S'il n'y a pas une pouliche déclassée dont on ne connaît pas forcément les limites, je pense qu'elle devrait jouer les premiers rôles en tout cas. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 7, Rue de l'Aude. Alors peut-être que c'est elle qui pourrait éventuellement la battre. Rue de l'Aude qui a réalisé de très bons débuts dans cette catégorie en terminant deuxième d'un handicap sur l'hippodrome de Clairefontaine, justement sur cette piste, mais c'était sur 2900 mètres. Là, on revient sur une distance un peu plus courte, mais bon, c'est pas un problème. Auparavant, elle avait gagné à Senone sur le parcours de 2300 mètres. Donc la distance, il n'y a pas de souci. La compétitivité à ce niveau, pareil. Bon numéro dans les stalles de départ, associé à Alexis Pouchin. Je pense en plus que sa dernière tentative lui a permis de prendre un peu plus d'expérience et peut lui permettre justement d'ouvrir son palmarès dans cette catégorie en tout cas. Et moi je m'en méfie tout particulièrement, j'ai retenu deuxième. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 10, Ebauche. Ebauche qui reste sur une victoire dans cette catégorie. Elle a remporté un handicap sur l'hippodrome de Compiègne le mois dernier. Elle a pris 7 livres de pénalisation suite à ce succès. Maintenant, le style était là. C'était vraiment très plaisant au niveau du succès. C'était déjà sur 2400 mètres. Donc voilà, la distance, il n'y a pas de souci. Je pense qu'elle a encore de la marge. Vu le style de sa victoire, à mon sens, elle est capable de monter de catégorie et de jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 6, Claire de Lune, un petit peu le même profil, c'est une pouliche qui a été orientée dans cette catégorie, qui a montré des capacités d'ailleurs. Sa dernière victoire, c'était dans la deuxième épreuve du handicap divisé, je crois pas qu'on l'ait, non on l'a pas. Vous voyez le prix Impératrice Eugénie, 19 juillet, eh bien Claire de Lune remportait la deuxième épreuve de ce handicap, du coup voilà, logiquement elle a été pénalisée, elle monte de catégorie, mais là encore, un peu comme pour le numéro 10, Ebauche, j'ai bien aimé le style de sa victoire, c'est une pouliche qui, à mon sens, est capable d'afficher encore des progrès sur cette sortie. Peut-être que pour la victoire, ça va être un peu plus difficile, d'autant qu'elle a le numéro 14 dans les stalles de départ, mais je pense qu'elle est encore capable de bien faire à ce niveau-là, malgré la pénalisation. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu une des débutantes, c'est le numéro 8, une elle qui a pas beaucoup couru depuis le début de sa carrière, mais qui a montré des moyens intéressants. Elle a été progressivement rallongée depuis ses débuts. Elle a débuté sur 1600 mètres avant d'être progressivement 1009, 2000 et dernièrement 2400 mètres. D'ailleurs, c'était sur le parcours, elle terminait quatrième d'une classe 2. C'était pas mal, le style était intéressant également pour cette numéro 8 elle. En plus, on fait appel à Christophe Soumillon. Numéro 5 dans les stalles de départ, on connaît, Yann Barbereau, c'est un homme habile. Il a décidé de l'orienter dans cette catégorie. C'est certainement qu'il la pense compétitive à cette valeur. Donc voilà, une note de méfiance. Je la retiens seulement 5e à mon avis. Elle sera quand même assez jouée. Et voilà, faut vraiment s'en méfier parce qu'elle a déjà fait le parcours. Et ça peut être également un avantage même si elle débute à ce niveau-là. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 4, Roi du Monde. Alors, Roi du Monde, c'est un cheval qui a remporté son handicap l'avant-dernière fois dans le sud-ouest. Dernièrement, il a terminé deuxième d'une course à condition, je crois que c'était à Dax. Il courait bien, c'était une classe 2.
Ouais, il s'était vraiment bien comporté. Ouais, voilà, c'était à Dax. Et c'est vrai qu'il fait le déplacement. Et ce qui incite encore plus à la méfiance, c'est que Valentin Segui, il ne vient que pour une seule course. Et le lendemain, il est à San Sebastian. Ça veut dire, il va venir pour courir une course et faire 1000 km derrière pour aller à San Sebastian. C'est certainement que ce roi du monde, il a une belle carte à jouer. On effectue le déplacement. Alors, bien entendu, il a été pénalisé. On ne sait pas ce dont il est capable à cette valeur. Mais c'est vrai que le fait qu'il effectue le déplacement, que son jockey vienne pour une course et qu'il ait un bon numéro dans la salle de départ, bah je me dis pourquoi pas. Et c'est vrai que je l'ai retenu seulement en 6e position, mais attention, c'est vraiment l'outsider capable de brouiller les cartes. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 16 One Point. One Point qui est un petit peu déçu hein, en dernier lieu. Je crois que c'était peut-être une course récente, c'était 20 ju fin juin. Non, c'était. Oui, voilà, c'était ici, le 23 juin. Robini qui s'imposait. Il était proposé à 4,70 €. Il a pu faire mieux que 8e. Je pense qu'il ne faut pas le condamner là-dessus. C'est vrai qu'auparavant, il avait montré de la qualité à ce niveau-là. Il était assez régulier. Voilà, on ne peut pas le condamner sur un échec, d'autant qu'il n'a pas recouru depuis. Alors peut-être qu'il y a eu un petit souci. En tout cas, il a parcouru depuis 1 mois et demi. C'est certainement qu'on a voulu lui redonner de la fraîcheur parce qu'il avait quand même pas mal couru hein, depuis le début de la saison. En bas de tableau, l'engagement est assez intéressant. Voilà, moi j'ai retenu en 7e position pour une réhabilitation et peut-être pour une petite place, mais pas beaucoup mieux à mon sens. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le 12, Gabija. Gabija qui sera associé à Théo Bachelot qui vient de s'imposer. Je ne sais pas si c'était un handicap d'ailleurs, c'était peut-être une course à condition. Non, c'était un handicap pour 3 ans. Donc il battait la loose, c'était sur 2000 mètres. Le 28 juin dernier, il a repris de la fraîcheur. Franchement, voilà, vous le voyez, hein, après avoir attendu à la fin du peloton, a su se montrer facilement à la plus forte pour finir. Elle gagnait plus d'une longueur. J'ai bien aimé également là aussi le style de sa victoire. Je pense que malgré la pénalisation, elle est encore capable de bien faire. Stéphane Vattel, un petit peu comme Yann Barbereau, j'aime bien comparer ces deux entraîneurs. C'est un homme habile également et je pense qu'il faut s'en méfier. Moi, j'ai retenu seulement 8e, mais ça fait partie des nombreuses possibilités pour les places. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu là ce Catch the Stars, un concurrent qui va débuter encore une fois dans cette catégorie. Il a peu couru, hein. C'est le moins expérimenté avec le numéro 3 Marelli et le numéro 12 Gabija. Difficile un petit peu de le situer, hein, ce Catch the Star, c'est pour ça que je l'ai mis en regret. Il a eu d'autres ambitions, hein. Je crois qu'il a couru groupe lors de sa troisième sortie après avoir enchaîné deux victoires consécutives en début de carrière. Voilà, il a 60 kilos à porter, il est pris en valeur 40 je crois. J'ai un peu de mal, je suis un peu dans le doute avec lui, j'avoue que c'est pour ça que ce sera juste un regret, mais attention, pourquoi pas, il est capable de se révéler à ce niveau-là, c'est pas une impossibilité. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Sea Breaker, que j'ai retenu devant le 7, Rue de l'Aude. En troisième position, le 10, Ébauche. Ensuite, le numéro 6, Claire de Lune, devant le numéro 8, Elle. Le 4, Roi du Monde. En septième position, le numéro 16, One Point. Et enfin, en huitième position, le numéro 12, Gabija. En cas de non partant, là, Catch the Stars. Je vous rappelle que le 11, El Shergi, est également non partant, même si vous le voyez rouge en rouge comme ça sur votre tableau. En conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, le numéro 2, Sea Breaker, irréprochable, compétitif à ce niveau-là. Sa dernière sortie est très bonne. Je pense qu'elle a de l'avenir et qu'elle est capable de remporter une telle course et peut-être même dès ce lundi. Le numéro 7, Rue de l'Aude, qui a très bien couru pour ses premiers pas dans cette catégorie. Revenir sur cette distance va jouer en sa faveur. Bon numéro dans la stalle de départ. J'y crois beaucoup également. Et puis le 10, Ébauche, qui à mon sens a encore de la marge malgré la pénalisation de 7 livres. Pour moi, elle est censée également fournir une très belle, je vais y arriver, une très belle performance. Et c'est une des priorités de cette course. Donc voilà, 2, 7 et 10, ce seront mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit bilan de nos deux rubriques, un hein, top pronostic session qui vous indiquait tiercé vendredi hein, de part et d'autre. Quelques trios ce samedi hein, avec tiercé écarté également de la part de Turf Sélection, écarté qui chiffre à plus de 115 € avec les bonus. Donc voilà, un début de week-end assez correct de la part de nos deux rubriques qui vous indique quand même pas mal de choses. En tout cas, vous pouvez les tester, c'est à partir de 1 € par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Deauville. On reste en Normandie, bien entendu, une nouvelle fois avec des sprinters au départ. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.